Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Sadio Mané, les gars. Sadio Mané ne va pas bien. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, Sadio Mané n'est pas bien. Il a encore été sur le banc face à Dortmund, le choc face à Dortmund. Bayern Dortmund, choc remporté par le Bayern 4 buts à 2. Thomas Tuchel a préféré mettre Coman et Sané à sa place. Donc, Tuchel a préféré Coman et Sané. Et à juste titre, lorsqu'on voit les performances de Sadio Mané, il n'est pas bon, les gars. Il n'est pas bon. Sa blessure de 3 ou 4 mois l'a vraiment plombé. Ça l'a vraiment plombé. Et du coup, donc, il arrive, il n'a pas de rythme, il n'a pas de confiance, etc. Et du coup, lorsque tu vois comment, surtout comment performe. Quand tu vois le 11 du Bayern, tu te poses la question, dans quel poste Sadio Mané va jouer? Dans quel poste Sadio Mané va jouer? Parce que comment et Sané sont performants. Il faudra que Mané élève sauvagement son niveau pour jouer. Il doit sauvagement élever son niveau. Parce que si c'est ce qu'on a vu là, franchement, il ne pourra pas jouer, les gars. Il ne pourra pas jouer. Il ne faut pas qu'on se mente. Mané n'est pas en forme. Mané n'est pas en forme. Et si ça continue comme ça, le Bayern peut lui trouver une porte de sortie. Hein. Ça a lui d'élever son niveau de jeu. Parce que quand moi je vois les Sané et Coman là, même Gnabry, pour moi ils sont au-dessus de Sadio Mané actuellement. Donc ça, Sadio Mané d'élever son niveau de jeu. La balle est dans son camp. Ça a lui de travailler. Ça a lui de se remettre en question, de travailler, d'avoir de la confiance et surtout de bien travailler aux entraînements. C'est en bien travaillant aux entraînements que ça va pousser Thomas Tuchel à lui donner une chance. Donc voilà ce que je voulais partager. Peut-être moi te retourne en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.